I wanna freak you, freak you, freak you. 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 I wanna freak you, freak you. Oui, bonjour madame. Je suis monsieur Jesper Brodin. Je ne sais pas si mon nom vous dit quelque chose. Excusez-moi, j'ai un accent suédois. Je suis le PDG d'IKEA. Vous connaissez bien sûr IKEA. Et j'ai vu, parce que je suis tantôt en Suède, tantôt en France, j'ai vu votre publicité sur l'application Tous Anti-Covid, qui me semble parfaitement intéressante. Et il y a dans mon... Vous savez que IKEA emploie dans le monde entier environ, je dirais, pas loin d'un million de salariés. Et je me demandais si il serait possible, ce que vous dites au début de votre spot, que cette application, nous aimerions bien pouvoir s'en passer. Et effectivement, je pense que c'est l'avis de tout le monde. Voilà. En fait, mon idée, ce serait d'inciter, mais le million d'employés qui travaillent pour moi. Allô, vous êtes toujours là? Oui, je vous écoute, monsieur. Oui, donc je voudrais inciter les personnes qui travaillent pour IKEA dans le monde entier de mettre cette application sur leur smartphone, ce qui pourrait, à mon avis, vous aider et peut-être enlever cette publicité. C'est le but quand vous dites il faut pour ne plus voir cette application, il faut qu'il y ait le plus de gens possible qui mettent cette application sur leur smartphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je peux inciter par exemple avec des augmentations de salaire. Je peux demander, dans le monde entier, en Indonésie, au Japon, partout, IKEA est partout. Hein. Vous le savez, je suis sûr, peut-être êtes-vous d'ailleurs cliente d'IKEA. Et donc, si ce millier de personnes mettent cette application sur leur smartphone, ça vous fait quelque chose en moins ou en plus, si je puis dire. À ce moment-là, moi, je peux inciter les gens, moyennant par exemple une augmentation de salaire, évidemment à condition qu'ils mettent cette application sur leur smartphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors nous, on fait pas juste partie de cette application, on est juste un service d'information, donc nous, on n'a pas du tout de lien avec cette application. Après. Oui, mais vous en parlez. Pas mauvaise, voilà, après votre idée n'est pas mauvaise. Après, le truc, est-ce qu'eux vont vouloir la télécharger, ça? Oh, pour une augmentation de salaire, et je pense qu'ils accepteraient. Mais par exemple, cette application est-elle valable en Indonésie ou au Japon, où j'ai énormément de salariés là-bas? Ah d'accord, alors ça je ne peux pas vous aider, parce que je ne peux pas vous dire, parce qu'on n'a pas du tout de lien avec cette appli, donc en fait je ne sais pas du tout, on ne travaille pas du tout avec eux en fait. Donc, oui, mais ça, vous donnez quand même des renseignements sur cette application. Non, nous on est juste un service d'information Covid en fait, on n'a pas du tout, on n'a accès à rien du tout sur cette application, on n'a rien à voir avec eux. Hein. Mais à qui faut-il s'adresser, là? Pardon? À qui faut-il s'adresser? Alors, est-ce que sur l'application, vous n'avez pas des informations
un numéro, quelque chose? Ben non, non. D'accord. Ou sinon, peut-être que l'agence régionale de santé pourra plus vous renseigner que nous. Parce que nous, vraiment, on n'a aucune info là-dessus. Ah bon, c'est très regrettable. J'aurais voulu. Oui, oui, c'est vrai, parce que ça nous aiderait, mais malheureusement, on n'est pas avec eux. Tac. Voilà. Bon, mais je vais me renseigner. Je vous remercie beaucoup, madame. Et je vous souhaite un... Avec plaisir, monsieur. Et protégez-vous bien. Merci, au revoir, merci, madame. Monsieur, au revoir, madame. I wanna freak you, freak you, freak you. I wanna freak you, freak you, freak you. I wanna freak you, freak you, freak you. I wanna freak you, freak you.